rumeur est peut-être encore plus grave et plus grand dans les temps à venir. Mais c'est qu'il n'empêche que le groupe des points à jour existe toujours et reste toujours professionnel, complètement. On prend le cas de ce mois-ci, mois de mai, c'est le mois où je suis né, wouh, j'ai 38 ans, je vous embrasse tous. Bon, ben, y a quand même, ça va faire 5 contrats. Ouais. Enfin, disons qu'on continue. On continue à tourner. Enfin, je pense que pour nous, c'est une chose. C'est, enfin, on ne peut pas quitter là. Le hein. fait de chanter, c'est une chose vitale pour nous. C'est une expression. On vit avec ces vibrations-là. Et puis, je pense aussi les vibrations des gens. Je crois que ça, c'est. Parce que chanter pour soi, c'est quand même. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Des contrats dans toute la France ou uniquement la région? La grande région. La grande région. On a eu une époque où vraiment. On avait un peu l'impression de pouvoir passer les frontières. Je dirais qu'on n'en a pas pris le truc au moment où il fallait. Je crois qu'on n'a pas pris le truc. Et c'est vrai qu'on était interpellé par beaucoup de choses, hein. Par les grands festivals de la SACEM, les grands festivals de gauche et tout. On est quand même allé à Paris plusieurs fois, faut pas exagérer, hein. Devant 7000, 8000 spectateurs, c'est quand même pas de la rigolade, hein. Non, c'est vrai. Et bah non, c'était pas le truc. Nous sommes des gens, disons qu'on ne fait peut-être pas assez de démarches, on attend souvent à ce niveau-là que les gens viennent. Peur de se lancer peut-être. Non, c'est parce que c'est pas. Se lancer, on est terrible. Hein. Non, on se lance pas parce qu'on a peur de se faire mal. Mais... Non, mais je crois que c'est surtout. Bon, il faut faire la démarche, aller sans arrêt de média en média, de contacter tonton Paul qui connaît tonton Charles et qui te recommande à tata machine et tout. Puis nous, ça nous emmerde un peu. Alors bon, quand ça venait, ça venait. Disons qu'on a continué à faire notre bonhomme de chemin, hein, à faire des choses qui. Mais bientôt, on sera sur la 8. Hein? Oui, c'est une nouvelle chaîne, ce sera une autre. C'est vrai. Comment réalisez-vous vos chansons, paroles et musique? Comment on réalise ça? Ouais. Ah ben là, c'est terrible. On réalise que dalle, par exemple. Non, c'est que c'est le soir, le matin, le midi. Pour moi, pour Émilie, c'est autre chose. On parlera de son truc. Ah ben moi, ça n'a pas d'existence en soi. C'est complètement. Ça naît comme ça. C'est un peu comme. Comme un petit champignon qui pousse quelque part. Quoi. Hein, je crois que c'est des champignons, c'est vrai, on ne sait pas d'où ça vient, ça pousse. C'est un peu ça, quoi. Je suis en bagnole, toc, je redonne des trucs et tout, là, je mets en place des choses. Et puis j'arrive à la maison le soir ou deux jours après, ça dépend quand j'arrive. Et je prends la guitare, je dis, puis je m'amuse avec, et puis je chantonne, je fredonne. Et c'est comme ça que ça se fait. Et j'écris rien. Je n'écris strictement rien. J'écris la publicité, par contre, j'ai fait des dessins, pubs et tout, si les gens sont intéressés, qui me contactent, c'est super, en plus, on est dans la rue dernièrement, pour la bière à 99 degrés. Hein. La seule bière qui existe, c'est la bonne à 99 degrés. Et ça, oui, là, bon, j'écris rien, c'est pas mon truc, et ça m'arrive comme ça, quoi. C'est un peu comme le spermatozoïde qui se promène à travers. J'ai pas envie d'aller trop loin, c'est plus des bêtises. Mettre le plaisir qu'on peut vivre ensemble avec quelqu'un. Voilà. Complète, et d'un seul coup, pouf, ça fait. Et puis, non, ça fait pas. Bon, c'est bête. Mais c'est comme ça. Hein. C'est bien. C'est ça. Moi, c'est ça. Et lui, Christian, c'est comme ça. Voilà. Ce qui fait que quand on travaille à plusieurs voix, par exemple, c'est très agréable parce que parfois il change les paroles en cours de route, alors il faut les attraper. Hein. Il faut bosser beaucoup à l'intuition avec lui. Il faut le sentir. Hein. Mais ça va, il est sans effort. Je pue. Bon, pour moi, c'est différent. C'est parfois des choses que je contrôle pas non plus, dans le sens où il y a des. Ça peut venir d'un livre, ça peut venir de quelque chose que j'ai vu, qui a créé un petit déclic comme ça. Et puis moi je prends une feuille et un stylo, parce que moi j'écris. J'écris, je laisse faire comme ça sort, comme ça. Parfois j'y retouche, parfois pas, non, ça dépend. Ce sont des déclics, quoi. Hein. Ou parfois c'est venu aussi de choses que j'avais du mal à vivre, hein, c'était ça aussi. Mais moi j'écris, j'ai besoin d'écrire. Quelques titres de chansons que vous avez écrites? Ah ben moi, tout mon répertoire, c'est mon mien. Non, moi merci, je bois pas de rouge, merci. Non, je suis plus très bon, de la pompe, bon. Quoi. Dommage.
Non, mais toutes les chansons, disons, que je chante au niveau disque enfant, au niveau, je veux dire, dans le disque Geste et Visage, tous ces titres-là, c'est dans mon enfant, il y a la Garenne, il y a l'oiseau, qu'est-ce qu'il y a, je sais plus, ça m'en vient pas comme ça. Il y a dans mon enfant, je l'ai déjà dit, qu'est-ce qu'il y a encore, Isabelle, il y a plein de choses comme ça. Mais ce sont souvent des rencontres, par exemple, dans mon enfant, il est comme ça. C'est une dame que j'ai vue arriver un jour dans un endroit où on habitait, qui était d'origine turque, et qui cachait son visage avec un foulard. Hein. Et ça m'a donné l'idée que lorsqu'une femme mettait comme ça, c'est une idée personnelle, hein, c'est peut-être pas vrai, je sais pas. Quand une femme comme ça mettait, se voilait, se cachait, elle n'était plus elle, mais elle devenait nous, elle devenait la famille, mais elle n'existait plus en tant qu'elle-même. Et cette chanson est née comme ça. Voilà. Hein? Ben oui, mais le problème, je sais pas d'accompagnateur. Elle est sur un disque. Elle est sur un disque, quoi. Si vous avez fait ce visage, elle est dessus. Hein? Voilà. Ah. On va peut-être faire une petite pause musicale. Ouais. Ah, une pause café, tout à fait. Oui. Attends, pause musicale. Là, sur la platine ou là? Comme là, vous voulez. Oh, tu es. Allez, on y va. On la voit sur la platine, là. Ok, allez. Good one. Oh, tout le monde là. Quelques anecdotes à nous raconter. RMS 89.6, bonne radio, bonne radio. Ouais. Des anecdotes. Ah, des anecdotes, plein, parce que quoi, c'est des vieux mecs et tout, on est barbus, on est poilus. Ma chère Evelyne, elle a poil et tout, elle se fait épiler régulièrement d'ailleurs. Mais ça, c'est normal, c'est féminin. Pour les hommes, c'est on peut garder la barbe et tout. Oh, beaucoup de choses, c'est pas chaud. Je me souviens en Mayenne être passé avec le groupe. Bien sûr, un groupe qui était très nombreux, des chevaux et des roulottes. C'était dans les années. Souvenons-nous, enfin à peu de choses près. Nous sommes en 87, ça devait faire 80. Ça fait 7 ans à peu près. Hein. Ça fait 7 ans déjà. Ouais. Bon voilà, peu importe, eh bien, une anecdote terrible. À cette époque-là, bon, il y avait 5 roulottes, 5 chevaux, on était parti dans un périple de vie culturelle, hautement culturelle, de la vie, de la relation des habitants de village. Quelque chose qui avait quand même bien fonctionné, il faut le dire, c'est vrai. On avait beaucoup de difficultés, mais on était poignants, on était très vivants et on attirait le monde. Des gens du cirque, tels que Malino, qu'on aime beaucoup, Jean-Louis, François, qui est technicien. Il y avait Michel Denoc avec nous. Denoc est un monsieur bien connu dans le monde du folk. J'espère que vous avez des disques de Michel Denoc, si vous n'avez pas ces disques. C'est un manque, crâne. On essaiera de vous en voir. C'est vrai que Michel, maintenant, ne sort plus de disques, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait des gens qui faisaient partie d'un groupe de jazz, qui était beaucoup plus jazzou à cette époque-là, c'était Pantin Cruel.
Et il y avait avec nous Michel Trudel et un autre musicien qui était pianiste. Et alors on faisait un grand périple, ça faisait l'Orne, la Mayenne et la Sarthe d'ailleurs, les trois départements, avec des chevaux et des roulottes, on était parti pendant un mois et demi. Et à Mayenne, ça avait été le truc terrible. D'une part, pas beaucoup de monde, on a été surpris, alors qu'on a fait une animation terrible dans les rues, jour de marché. Mais il y a eu un accident. On avait eu un musicien qui s'est endormi, non pas au volant, mais au guide de son cheval. Et ça, c'est terrible. Et le bourrin avait labouré les bagnoles. Et ça avait, c'était pas bien. Ça faisait bazar. Et ça n'avait pas plu du tout aux gens. Et je crois que ça avait été très mal perçu. Et ça avait... Alors, c'est vrai que très vite, l'information avait passé, quoi. Et ça fait qu'on avait vécu une soirée un peu dramatique, quoi. On attendait... a vécu des bien mieux que ça. On a entendu beaucoup plus monde que ça. C'était, ouais, c'est ça, c'est le côté négatif des choses. Côté positif. Il y a cette chose négative dans la vie. Alors parlons du positif, côté du négatif. Voulez-vous parler du positif? Côté Château-Gontier, alors c'était autre chose. C'était une soirée, toujours dans la même tournée. C'est une tournée comme tu dois marquer, il ne faut pas rêver, hein. Ça coûte très cher. On fait ça pendant 2 ans. C'était épuisant physiquement. Parce qu'il fallait s'occuper des chevaux. Hein. Il fallait leur donner à manger, les nettoyer, les faire beau. Voilà. Ouais. Il y avait la route à faire. Et un cheval, ça fait 15 km maxi dans sa journée. Hein. Il fallait préparer sa bouffe, il fallait laver son linge, se laver pour être tout propre et tout beau. Il fallait faire les balances le soir, l'après-midi, quand on arrivait, monter le matériel, faire les balances, faire le spectacle le soir et repartir le lendemain. Voilà. Et c'était épuisant. Mais c'était très beau parce qu'on a vécu quand même des choses dans des villages, notamment, des choses extraordinaires. Je veux parler des positifs, moi. Je suis en train de parler des positifs, non, là. Château-Gontier, alors là, c'était une ferme, tu te rappelles, nous. Une ferme magnifique où les gens nous avaient accueillis avec les chevaux et les roulottes. Et bien là, il n'y avait pas de spectacle ce soir-là. Et en fin de compte, le spectacle, on l'a fait chez les gens, chez les cultivateurs. Et c'était féerique, complètement féerique. Les gens étaient aux anges, c'était vraiment la grande fête dans la ferme et tout. Et on a vécu des choses de gens-là, quoi. Nous avait sorti son grand monocycle, alors comme il ne tenait pas debout, son monocycle dans la pièce, il était sorti dehors, il a craché le feu, on a chanté autour de la table, il y avait le galvin sur la table et tout ce que vous voudrez. Et voilà, ça a été une fête superbe. Mais il y en a d'autres comme ça, enfin moi je me souviens aussi, c'était plus du côté de la Sauvagère, ce qui n'est pas quand même très loin de là. Très beau lieu. Ou alors il y avait les gens nous avaient invités, parce qu'on avait vécu vraiment quelque chose de superbe cette soirée-là. Et... on était resté dormir sur le terrain et nous avait invité le midi, donc pour eux démontaient et nous avait invité à déjeuner. Magique. Et alors il y avait des trucs, des images très très belles. Il y avait un petit bébé qui avait un peu trop bu. Alors il était à l'ombre du camion, sa gopette sur la tête, il ronflait comme je sais pas quoi. Et il y avait un autre qui était quand même assez âgé. Il se bagarrait à coups de seau d'eau avec une mémé. Et c'était vraiment hilarant. Il y en a un, il s'est tellement fendu la gueule qu'il a paumé son dentier en rigolant. Mais ça paraît peut-être un peu absurde comme ça, mais c'est des images pleines de fêtes, quoi. On sent à ce moment-là quelque chose de chouette chez les gens, quoi. Qui soit... Oui. Je sais pas. Mais je crois... À chaque fois, on le contrarie. Il va avoir des angoisses ce soir ou une crise d'eczéma. Je prends un autre cas de figure qui était super chouette. Il y avait un vieux pépé qui avait mis un téton. Vous savez que les ânes, ça bande fort. Hein. Bandé comme un âne, l'expression est vraie. Hein. Je la retiens, elle est forte. Bon, alors il faut dire que c'était dans un village auprès de Bagnoles de l'Orne. Et il y avait une course d'âne. Une course d'âne, on nous avait demandé le matin de faire la fanfare avec nos guitares et nos tambours devant les piétons qui devaient prendre, bien sûr, le départ de la compétition. C'était complètement fabuleux et combien intéressant. Et bien sûr, le moment est venu. Et il y avait un vieux monsieur qui avait 76, 77 ans. Ou peut-être 80 ans, peu importe. Et il avait un piéton tout poilu, un peu comme moi. Je ne vois pas, c'est dommage. Et il m'a dit, il faut que tu montes le téton. Et j'étais un âne toulousain. C'est pour ça que les ânes de Toulousain sont des ânes très poilus et tout. Et une bête qui n'avait pas été montée depuis un certain temps, qui avait été laissée en liberté dans le pré. Vous savez, comme les bêtes laissées en liberté dans les prés, ce n'était pas évident de les rattraper. Je suis persuadé que les ruraux en savent quelque chose. Et il a dit, si, c'est toi, il faut que tu le montes et tout. Alors là, je me suis dit, bon, je vais bien essayer et tout. Et voilà, typo, que j'arrive... à monter le fameux piéton, l'âne toulousain,
et que Panadra, départ de la course, ouvre la partie. C'est des choses super, même dans la musique, hein. On fait aussi de l'âme dans la musique, il ne faut pas arriver. Hein. Et parti, premier tour, je prends de l'avance. Deuxième tour, il y a un téton qui mord le mollet. J'ai fait un coup de sarton dans le nez, il s'écroule, fini pour lui, c'est normal. C'est super, hein, quoi, cheval. Et au bout, je continue. Et d'un seul coup, il y avait Michel, notre guitariste, là. Christian, c'est bon, t'es en tête, continue. J'étais à ce téton, et puis Pépé, qui avait 78 ans, 76 ans, 80 ans, je sais plus, qui était là, ouais, mon téton, c'est le meilleur, t'es complètement heureux. Et d'un seul coup, boum, j'arrête. Mais j'arrête, je sais pas trop pourquoi. J'avais l'impression que la course était terminée, que j'avais pris deux tours d'avance sur les autres. Et d'un seul coup, le musicien me dit, mais t'es con, qu'est-ce que tu fous? C'est pas encore arrivé, t'as encore un tour à faire, et si tu continues, tu vas être doublé. Alors, voilà, t'es pas que je dois démarrer le téton, voulait plus redémarrer, tu vois. Alors, coup terrible, j'arrive, on m'a poussé la bête, hein, et j'ai fini en deuxième position, et le pauvre paysan a pleuré, et tout. Il était pas content. Ça, c'est aussi une histoire. Chaque pour nous et pour un jour, la musique, c'est pas que la musique. Je crois que la musique, c'est un univers de vie. Et je pense que si la musique quitte cet univers de vie, elle n'a plus rien à vivre. Moi, j'y crois vraiment, fondamentalement. Dans le fond, moi-même, la musique, c'est des gens qu'on rencontre, c'est un univers, c'est l'atmosphère. C'est un petit peu pour ça, d'ailleurs, qu'on a appelé ce qu'on fait un peu folk de notre cru, parce que c'est pas, on ne peut pas dire qu'il y a uniquement du folk, il y a un côté blues aussi, il y a un côté chanson. Hein. Mais folk de notre cru dans ce sens-là, c'est-à-dire que le folk, disons autrefois, marquait les rythmes de la vie, les rythmes de travail, le rythme de délassement, le jeu. Hein. Et le folk était une musique vivante. Et c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on a appelé, nous, notre musique folk de notre cru, parce qu'il n'y a pas uniquement le spectacle, mais il y a tout ce qui est autour. Et quand on partage quelque chose de fort avec les gens, bien c'est bien après le spectacle de continuer, de les rencontrer encore après. Ça, je pense que c'est très, très important. C'est une fête, c'est un rassemblement. Et il y a une image qui me revient là dans la tête, c'est notamment dans le Aparcé, hein, qui est un village de la Sarthe, où on a fait, je ne sais plus, c'est 4 ou 5 années de suite, des animations tous les étés, hein, où on préparait avec les enfants du centre aéré une histoire, et qu'on concrétisait à l'aide, bon, si c'était des animaux avec des cartons, on faisait des bêtes géantes, et les gosses se mettaient donc dans ces bêtes géantes, hein, et on faisait des sortes de défilés comme ça, et ensuite on entraînait les gens dans les cafés, et on s'installait et on chantait comme ça. Et on a vécu des trucs terribles où les gens, je me souviens, dans un café, parce que t'as trompé. Alors, on part sur des trucs comme ça, rythmiquement ça suit, et puis voilà, on met les gens dans des petites phrases répétitives, et puis il y en a un groupe qui part, et l'autre part, et puis on lance une autre phrase, et ça, péta, et voilà. Alors, ce qui est chouette, c'est que quand on arrive à vivre ça, c'est on gagne la légèreté du corps, on se sent très très léger, hein, on se sent un peu des anges. Pico, 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 pico.
Madame Lenormand, une dame de la Bagnienne qu'on aime beaucoup, une dame de la Haine qui a fait naître un grand festival, d'ailleurs je viendrai ici en parler, j'espère, le festival national, la venir, qui colle en dentier. De la confiture, celui qui colle, au dentier. Une dame formidable, une dame que j'aime beaucoup, qui est une croyante, couvre l'église et tout, c'est pour ça que je parle sans arrêt de ce lieu, mais quelqu'un qui vit bien avec les gens et tout, puis avec qui on s'est retrouvé tout de même sur un climat, le fait de vivre la vie de village. Et je crois que c'est un peu ça, l'épicière d'Orba, Madame Lenormand, elle vend des petits bonbons. Et Lenormand, c'est aussi Pénélope, notre fille, ou Abraham, comme c'était à l'école primaire, les enfants, quels qu'ils soient. Quand ils vont faire les courses. Voilà, elle offre toujours des petits bonbons.